Yo tout le monde, c'est Flouze, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme t'as pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une vidéo où j'achète la manette la plus cheatée sur Fortnite. Du coup, le prix de 250 €. Je pense que vous savez ce qu'on va faire maintenant. Tu peux le voir juste à l'écran, à côté il y a marqué Scuf Impact. Juste avant de vous présenter le site avec simplement la manette qu'on va personnaliser, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube, qui like et qui commentent. Si vous voulez simplement une partie 2 sur cette vidéo là, ou simplement je vais personnaliser cette fois-ci les manettes des abonnés, objectif 600 likes. Je vous dis toujours, un objectif de 500 likes on le réussit. Cette fois-ci, si on peut obtenir les 600 likes, ça serait juste énorme. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me balancer hashtag Scuf avec simplement votre petit prénom et je ferai tout simplement une scuff à votre effigie, donc n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Donc merci à ceux qui le feront aussi. Au passage, objectif 150 sponsors, on sera en stream ce soir. Faut savoir que dès qu'on obtiendra les 150 sponsors, on fera un live 24 heures normalement pendant cet été. Du coup, merci à ceux qui s'abonneront et qui sponsoriseront. On est actuellement à 80-90, donc c'est déjà juste énorme. Merci à vous pour le soutien que vous menez. Faut savoir que c'est simplement payant. Attention, ce n'est pas ce n'est pas obligatoire, donc du coup c'est seulement les personnes qui ont envie. Faut savoir que vous avez simplement plusieurs accès VIP, vous avez des invitations à jouer au jeu, vous avez simplement la demande d'amis, l'accès au chat, vous avez des dédicaces dans des vidéos et l'échange avec vous dans les réseaux sociaux. Du coup, n'hésitez pas si ça vous fait plaisir, vous avez vos petites badges de fidélité avec tous les emojis en ce moment. Du coup, merci à ceux qui le feront, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur le Discord ou même en privé par YouTube ou Snapchat ou Twitter. Et tout simplement, je vous ajouterai en ami, je vous mettrai des rôles, etc. pour les accès VIP. Merci à ceux qui le feront, grosse dédicace à vous tous encore une fois. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le petit bouton rejoindre à côté du bouton abonné que vous aurez à votre droite. Et merci à vous encore une fois, sur ce, un très bon visionnage, peace. Du coup les amis, on se retrouve sur le site Scuf Gaming. Alors il faut savoir que la manette que je vais faire actuellement, ce sera une manette personnalisée que j'ai fait de A à Z de moi-même. Si vous avez simplement des astuces ou même des petits, on va dire entre guillemets, commentaires à dire sur la manette, la couleur, peut-être les joysticks, de quelle forme vous les aurez mis ou autre, n'hésitez pas, je prends tout ce qui est en compte de votre part, vos commentaires, vos avis, ça m'aiderait énormément. Faut savoir que la Scuf ne sera pas commandée actuellement le jour que je vous la fais aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir qu'on est pour l'instant avec le COVID-19. Du coup, je préfère attendre le 11 mai pour voir l'attente, on va dire entre guillemets, en fait, des envois d'expédition avec les colis, etc. Avec un petit peu Amazon et autres. On va voir un petit peu avec Scuf comment il peut nous réparer ça. Parce que pour le moment, on a juste une solution, c'est l'envoi simple. Et du coup, c'est avant le 10 juin. Et à la base, il faut savoir qu'on a l'envoi express et l'envoi genre mi-temps en fait, où tu as 2-3 semaines de différence et où tu dois payer un peu plus cher pour les avoir. Moi, de base, je voulais prendre du d'express, c'est pour voir la mettre le plus rapidement possible. Même si je paye la livraison 39 €, c'est pas le souci. C'est juste que simplement, je voudrais vous faire les vidéos avec le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on attendra le 11 mai pour voir la situation où elle en est. Si elle n'a pas avancé, on la commandera du coup pour pas se faire avoir. Mais sinon, en attendant, on va simplement faire plusieurs vidéos dessus, on va les personnaliser, etc. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, si vous aimez ce type de contenu, go lâcher ton plus gros pouce bleu, objectif 600 likes pour faire une partie 2. Et sur ce, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur le site PlayStation. Alors, nous, on part direct sur une Scuf Impact. Il faut savoir qu'une Scuf Impact, c'est quoi? C'est simplement une manette PS4 avec la forme de l'Xbox. Il faut savoir qu'avec ma Nacon, actuellement, c'est une Impact. Donc, du coup, je prends direct une Scuf Impact. C'est la base. J'aurai tout simplement la maniabilité qui sera impeccable. Et tout simplement, elle sera vraiment beaucoup maniable. Donc, ça, c'est cool. Du coup, on part avec 149 €. C'est le start. Il faut savoir avec les palettes. Pour ma part, je pars direct avec une Scuf Impact Chill. Faut savoir que la couleur, c'est du bleu ciel. C'est juste magnifique. Je sais pas pour votre part qu'est-ce que vous aurez choisi, mais moi, ça me va. Du coup, alors là, vous avez toutes les couleurs proposées. Faut savoir que n'importe quelle couleur coûte 10 € ici. Les signatures design, donc, coûtent 15 €. Tout dépend ce que vous aimez ou autre, hein, encore une fois. Et là, c'est 20 €. Il y a des couleurs qui sont archi stylées. Hein. On va pas se cacher entre nous. Mais pour ma part, je pars pour l'instant avec une couleur Chill. On continue du coup avec l'EMR. Alors l'EMR, je vous explique c'est quoi. C'est simplement, on va dire, la petite clé qui va simplement paramétrer vos palettes. Donc du coup, je mets yes, c'est obligatoire les gars. Sinon, bah, je sais pas comment vous allez réussir à jouer sur Fortnite avec. À part si vous voulez avoir des palettes par défaut. Mais ça sera pas l'objectif. Vous verrez dans les prochaines vidéos quand j'aurai une Scuf. Je vous expliquerai comment vous améliorer avec, comment y jouer, comment y prendre la main avec. Mais pour l'instant, on prend l'EMR. Du coup, les Traeger System, c'est du coup le L2R2 de toutes les personnes qui critiquent. Pour ma part, avec plaisir que je prendrai le Traeger Control System. Ce seront des Traeger beaucoup plus longs et du coup beaucoup plus fragiles. Donc juste tu auras appuyé dessus et ça tirera automatiquement et ça c'est juste cool. Donc la couleur,
j'en mets pas du tout parce que pour ma part je pense pas qu'il y a une besoin en plus. C'est juste si vous voulez faire du jacky tuning, bah vous pouvez le faire, mais je trouve que ça rend moche pour ma part. Les bumpers, c'est le R1, R2, pour ma part je l'ai mis aussi en digital bumper. Ça sera simplement, on va dire, des choses plus maniables pour moi, et bien sûr ils seront plus réactifs, et ça c'est très important sur une manette. Alors là c'est très important, on va se retrouver tout simplement du coup sur des joysticks. Il faut savoir que pour ma part, après avoir analysé les manettes SCUF, il me faudrait un joystick plus grand que la normale, c'est-à-dire un petit et un plus grand, pour simplement avoir la meilleure maniabilité, on va dire, avec tes pouces, du coup, pour rester concentré sur tes joysticks et simplement te servir de tes petites palettes pour tirer, etc. Donc ça, c'est un truc très important. Par contre, ici, entre le concave et le domed, ça, c'est comme vous le sentez. Pour ma part, je vais vous le dire maintenant, je vais tester le domed. Du coup, c'est simplement un rond qui sera pas creux, mais du coup, qui sera normal. Après, ici, c'est comme vous voulez, si vous voulez short ou long. Du coup, le joystick de gauche, on le laisse en normal, en short. La couleur, encore une fois, c'est vous qui le voulez. Pour ma part, je ne la change pas, je préfère en noir. J'ai toujours trouvé ça stylé sur des petites joysticks. Par contre, lui de droit, important, en domaine aussi. Cette fois-ci, on va le mettre en long. Parce que je préfère l'avoir, celui-ci de droit, simplement beaucoup plus long. Pour bien viser et rester toujours, on va dire, symétrique quand je veux fighter. C'est-à-dire que je n'aurai pas, on va dire, la vision d'enlever mes deux doigts de mes deux joysticks pour simplement, je sais pas moi, prendre X ou autre. Non, je serai toujours avec la vision grâce à mes palettes. Ça, c'est super important. La couleur, encore une fois, c'est comme vous le voulez. Du coup, on peut tester un truc. On va mettre blanc. Attendez. Vous savez quoi? On va tester blanc parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi on va mettre ça. Du coup, voilà. Et voilà. Du coup, on va arriver aux rings. Ça, c'est la couleur. Donc, on va mettre blanc aussi, du coup. Donc, intéressant. Contrôle disque. Ça, c'est comme vous le sentez pour votre part. Moi, pour ma part, je laisse en non parce que je trouve ça inutile de mettre 7,95€ en plus pour ça. En plus, je sais pas si la réactivité sera mieux ou pas du tout. Moi, je laisse comme ça. Au moins, on va dire que je perds pas mes... On va dire que je perds pas, on va dire, ma vision de la manette en elle-même. Parce que même quand on va aller faire les couleurs pour le carré, croix, rond et tout, genre, je sais pas, en fait, je me sentirai plus en confiance quand je reconnais ma manette en fait en elle-même. Je vois qu'elle n'est pas changée et tout. Sachant que quand même, on va utiliser des nouvelles palettes, etc. Ça va beaucoup changer de choses. Ici, du coup, de bas, je voulais partir. En fait, je vous explique en flûteur. Mais vraiment, Ruby m'a fait craquer. Franchement, pour ma part, c'est ce qui rend le mieux. Pour votre part, je ne sais pas ce que vous aurez choisi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Il y a des couleurs qui sont juste sublimes aussi. On va pas se cacher ensemble. Mais Ruby, franchement, incroyable. Ça ressort en fait la couleur de la manette en elle-même. Sachant qu'on part sur du bleu ciel, etc. Il n'y a rien à dire. Du coup, après les grips, c'est super important. C'est pour pas transpirer et simplement garder bien la paume de ta main sur la manette. Du coup, je prends pas en military mais en high performance parce que je trouve ça dégueulasse comme ça. Là, on va dire qu'on reste sur un truc sobre, stylé, qui n'empêche pas simplement à la manette de garder son style et son design en elle-même. Parce que même quand vous personnalisez une manette, on va pas se cacher que là, on est là pour se faire aussi surtout en fait un kiff. Faut que ta manette soit stylée et qu'elle soit aussi performante, my bad. Le rumbles, ça c'est si tu veux la vibration ou pas. Je le mets par défaut parce que moi en vrai on sait jamais si j'ai envie de tester, bah ça sera cool. Du coup, on va dire entre guillemets qu'on a fait tout le tour de la manette en elle-même. Le player pack, c'est pour avoir simplement du coup un câble link, la petite sacoche, des joysticks. Donc je mets oui, je mets en black, je mets procéder. Du coup, normalement on va en avoir pour 260, un truc comme ça. Je pense, après je sais pas encore, on va voir. Du coup, ouais, 268 avec simplement le discount. Et on va mettre le code promo, genre Ludgotaga, ça me le met automatiquement tout le temps. Genre c'est même pas par un choix que j'adore ce streamer ou autre, c'est juste que c'est un code que je connais beaucoup avec lui de Skyros parce que c'est des personnes que j'ai suivies sur Call of Duty et je sais qu'ils sont partenaires SCUF depuis longtemps. Donc voilà pour ma part. Du coup, ici vous avez simplement le produit en détail. Du coup, on a choisi une impact de chez Shield Chill. Après, on a pris l'UMR du coup qui sera la clé pour personnaliser tes petites palettes. Les Trigger System sont du coup le L2 R2 qui seront beaucoup plus sensibles et pour moi ils seront beaucoup plus longs. Les bumpers, c'est le R1, R2 encore une fois. Pour ma part, ils seront beaucoup plus réactifs et ça va me faire plaisir. Du coup, le joystick de gauche, on le laisse en short, du coup en petit. Et le joystick de droite, je le mettrai en plus long. Comme ça, ça me fera une bonne maniabilité avec mes joysticks et mes pouces. Après, simplement le ring, c'est la petite couleur pour mettre en blanc comme on a pour les joysticks.
Après le button kilt, on a mis en rubis parce que je trouve ça super stylé pour la main sur elle-même. Les grips, du coup, ça ne sera pas pour transpirer avec tes mains, du coup, tu vas pas glisser ou quoi. Des fois, ça t'arrive quand tu commences le jeu, t'as les mains, on va dire mouillées. On a toujours cette excuse-là, les manettes. Du coup, les gars, faut savoir juste que là, en fait, je fais un commentary juste parce que je viens de m'apercevoir dans le montage que malheureusement, pendant les 3 dernières minutes de la vidéo, tout s'est coupé. Du coup, bah, je me permets de vous refaire un recommentaire dessus. Du coup, ça se partira en deux parties. Donc, en gros, dans la fin de la vidéo, je vous explique un petit peu le site en lui-même, qu'est-ce qu'il va montrer. C'est-à-dire que vous aurez des échanges avec les joysticks, avec le package qu'on a pris à 24€. Vous avez simplement aussi la particularité, on va dire entre guillemets, de la SCUF qui fait une fame. C'est que tu peux changer tout sur ta manette en elle-même. Tu peux la paramétrer, tu peux enlever des boutons et en remettre d'autres quand tu veux. C'est-à-dire que si t'en casses un, bah, t'as la particularité de le rechanger. C'est-à-dire que quand tu uses trop tes joysticks avec une manette PS4 basique, t'es obligé de changer ta manette. Tu peux pas changer les joysticks directement ou autre, malheureusement. Et c'est ça qui a le plus gros défaut avec tous les manettes actuellement. Mais grâce à SCUF en ce moment même, bah, tu peux faire un petit peu tous ces changements-là. Et c'est pour ça que j'apprécie ce petit site en lui-même. Il faut savoir que je ne suis pas en partenariat avec eux, même si j'aurais bien aimé, hein, pourquoi pas, hein, si on regarde cette vidéo. Mais c'était juste pour faire une vidéo en elle-même parce que vous me le demandez énormément, que ce soit en stream ou en vidéo, à quand la SCUF. Du coup, comme je vous expliquais dans la vidéo elle-même, je la recevrai en temps et en honneur, c'est-à-dire que simplement j'attendrai simplement le 11 mai pour voir la situation des livraisons. Pour le moment, on la commande pas parce que ça ne servira à rien vu que le délai est depuis au moins un mois et demi. Mais par contre, vous avez simplement l'idée de ma manette qui sera simplement comme ça. Si vous avez encore une fois dans les commentaires des petits avis, que ce soit en couleur ou mettre que je rajoute des choses, ou simplement pourquoi pas me dire si c'est mieux de mettre deux joysticks longs ou les deux petits ou pas, donnez-moi la raison avec et ça me ferait extrêmement plaisir. À l'heure où je vous parle, simplement, on est le 20, la vidéo sortira ce soir, donc merci à tous ceux qui likeront et qui s'abonneront. On sera bien sûr en stream le soir pour simplement faire soit des tournois, soit les mêmes. Et sur ce, c'était Flouz, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bye tout le monde, peace.